Ok les amis, je viens juste d'avoir un débat avec une amie qui est love coach ici aux États-Unis et on parlait en fait des styles d'attachement. Peut-être que vous connaissez les styles d'attachement, l'attachement sécure, l'attachement chaotique, l'attachement évitant également. Et je lui explique qu'il y a un attachement dont on parle très peu, qui est de plus en plus développé dans notre société. C'est un attachement que j'ai pu finalement observer, créer et qui explique en fait la majorité des situations dans lesquelles vous êtes. Parce que quand vous rencontrez cette femme, cet homme, tout se passe merveilleusement bien au départ, mais vous sentez que dans son énergie, c'est quelqu'un qui a une grosse énergie, quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents, qui n'a pas envie de s'ennuyer, qui n'a pas envie de routine, qui a finalement aussi envie de vivre des expériences. Vous êtes typiquement en face d'une personne sensationnelle. Vous êtes en face d'une personne qui a besoin de vibrer, qui a besoin d'avoir de l'excitation, qui a besoin de créer quelque chose. La problématique, c'est que quand on est en couple avec une personne sensationnelle, une personne également évitante, nous sommes toujours à l'affût de construction d'un couple classique tel que nos parents, nos grands-parents, la société nous a inculqué. Mais dans leur trait de personnalité, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce que j'expliquais à mon amie qui est love coach. Puisqu'en fait, elle me racontait une situation qu'elle a vécue avec un de ses clients, et je lui expliquais que bah, dans cette dynamique, ce n'est pas la problématique du client et de son comportement, c'est la problématique de l'éducation que le client a reçue. Sous-entendu, il agissait comme si cette femme était ni évitante et ni sensationnelle. Résultat des courses, il pouvait avoir zéro résultat. La bonne nouvelle du jour, c'est que si vous êtes avec une personne évitante, une personne sensationnelle, si vous avez cette sensation que toutes les méthodes classiques ne fonctionnent pas, il y a une nouvelle façon de penser. Et c'est ce que je vais vous présenter mercredi en masterclass. Donc mercredi à 21h heure de Paris, ce sera 15h pour le Québec. Je vais décortiquer ces types de personnalités et je vais aller en profondeur dans les neurosciences et dans les sciences humaines. Vous allez voir que c'est très facile de pouvoir les faire s'impliquer, c'est très facile de pouvoir les faire s'investir, sauf que c'est l'inverse souvent de ce que vous avez reçu comme éducation. Donc vous avez juste une chose à faire. Déjà, c'est bloquer du temps dans votre agenda et c'est de prendre votre place qui est offerte. C'est un événement qui est gratuit. C'est dans la description qui est juste en dessous. Vous prenez votre place. On va se retrouver dimanche, pardon, mercredi à 21h. Donc ce mercredi à 21h, on va se retrouver en live, en direct, pour que je vous parle de comment réussir à faire en sorte d'être sur un piédestal. Comment exciter une personne qui est sensationnelle ou évitante. On se retrouve mercredi 21h, les places sont dans la description. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao!